Salam à tous, partagez. On a vu ça hier. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous mettre ça. On a vu ça, tout le monde a vu ça. Ce discours du président, on a vu ça hier. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Comme partisans de la paix. Mmh. On a vu ça. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Mmh. Parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises. Mmh. Ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on préserve la paix. C'est par la justice. Le respect des droits des autres, tel que défini par la justice. Mais je dis aussi, il faut qu'on dialogue. Tout ça contribue pour moi, s'il y a le dialogue, et la concertation, ça contribue à préserver la paix. Mais il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça doit être clair et c'est clair pour tous. Donc, notre président, on va s'adresser à lui en tant que militant, sympathisant, avec tout le respect qu'on lui doit, avec tout l'amour qu'on a pour lui, tout l'amour qu'on a pour cet homme, parce qu'il aime son pays, parce que c'est un homme droit, c'est un homme honnête, qui ne veut pas, oui, qu'il y a la guerre chez lui. Il a toujours prôné la paix. La preuve, il a cité. 2010, il a accepté. 2020, il a presque accepté. Et là, aujourd'hui, avec tout ce qu'il a accepté, des gamins bambins sortis de nulle part veulent eux aussi se jouer de lui, lui prendre comme une marionnette. Mon président, on veut vous éliminer comme ils ont éliminé Soumaïla du Mali. Soumaïla Kanouté du Mali. Je ne sais pas si c'est Kanouté. L'opposant malien qui devait être président au Mali. On veut vous éliminer comme votre ami Soumaïla du Mali. Soumaïla du Mali. Tout l'entourage du président doit faire attention. Tout l'entourage du président Selou doit faire attention. Oui. Tout l'entourage, ce n'est pas des bobards, ce n'est rien, ce n'est pas des trucs. Les empoisonnements sont en cours. Et ne partez nulle part. On a vu Soumaïla Cissé. Merci. Soumaïla Cissé, on a vu. On m'envoie que le président a invité sur Espace. Je ne vais pas parler sûrement pour Espace ici. Non. Le président ne doit aller nulle part. Nulle part. Le président a été clair. Vous avez été clair. S'il vous plaît, on vous demande humblement, avec tout le respect, on ne va pas vous donner des ordres. Mais au nom de tous les militants, nous vous aimons. On vous aime. On ne veut pas que ce combat que vous avez tant mené durant ces 10, 13, 15, bientôt 15 dernières années, soit 20. Il y a eu trop de sacrifices pour l'amour que vous avez pour nous les militants, pour l'amour que vous avez pour tous les cadres responsables de ce parti. Faites très très attention, on veut vous éliminer comme Soumaïla Cissé du Mali. Comme Soumaïla Cissé du Mali, par empoisonnement, oui, par empoisonnement. Oui, ce n'est pas des bobards. Ils le savent. Ils vont se demander. Oui. Mais Dieu est là. Dieu expose toujours les grandes personnalités. Tous les proches collaborateurs. Tous ceux qui se collent au président. Ne sortez pas aller se voir avec des gens de n'importe comment. Parce que quelques minorités, proches qui se réclament même de l'UFDG ont eu des propositions d'argent. Oui, certains ont accepté. C'est ça. C'est pourquoi quand je parle d'ailleurs
quand je parle trop longtemps et que je pense, on dit toujours, ton ennemi n'est toujours pas toujours loin de toi. Celui qui va te trahir n'est pas trop loin de toi. Quand tu vérifies, il est proche de toi. Le président Selou doit faire très attention. Ce n'est pas seulement espace. Hein? Ce n'est pas espace. Espace, on ne veut pas que vous partez là-bas. Vous avez animé une conférence de presse dans la semaine. Toute la presse nationale et internationale est venue. Vous écoutez vos intentions. Tout le monde a écouté. Vous avez été à l'Assemblée générale hier. Vous avez parlé. J'ai mis un extrait. Toute la presse nationale et internationale a vu cela. Qu'est-ce que Espace cherche maintenant? Qu'est-ce que les gens d'Espace cherchent? C'est tous des vendus. Ces gars-là, répondre à l'invitation de Espace, c'est aller répondre à Moussa Moïse, qui est le directeur de la presse de la présidence. C'est aller répondre à l'invitation de Mamadi Doumbouya. Partir à Espace, c'est aller répondre à Mamadi Doumbouya. Parce qu'il y a une taupe de Espace qui travaille avec Mamadi Doumbouya. Moïse, c'est quasiment une taupe. On a vu coup d'État. Le seul journaliste qui était à côté de Mamadi Doumbouya, c'était Moussa Moïse. Donc, il était déjà au parfum de l'événement. Alors, notre président, on vous demande humblement d'éviter les médias, d'éviter tout le monde. Les salutations, surtout. Parce que les empoisonnements là, surtout, c'est des cols empoisonnés, cols couleur peau de bain. Comme la peau de bain mise dans la main, touchée. Il suffit seulement de vous toucher. Il suffit seulement qu'on donne à une proche de vous toucher. C'est en cours. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas des tralalala. C'est une réalité. Nous vous aimons. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que vous tombiez dans des pièges. Évitez tous les médias. Si une personne veut des informations par rapport à tout ce qui est en train de se passer, ça a suffisamment été dit. Comme vous l'avez dit hier, vous croyez, vous avez dit que vous avez assez expliqué sur le cas de Air Guinée, sur le cas de votre maison, que vous n'allez plus revenir dessus parce que vous avez assez dit. Vous avez assez dit. S'il vous plaît, ne partez pas à Espace. On vous demande humblement de ne pas aller à Espace. Ce n'est pas un ordre. On ne peut pas donner un ordre à notre président. Jamais. Nous sommes derrière vous. On vous respecte. Mais notre but commun qui est là, c'est de vaincre. Alors, nous allons vaincre ensemble. Quelles que soient les épreuves, on va tenir. S'il vous plaît, mon président, je sais que vous allez suivre. Ne partez pas à Espace. Ne tombez dans aucun média. Les gars là sont dans la... C'est-à-dire, ils sont paniqués. Panique totale. Ils sont venus. Il n'y a même pas 6 mois. On a découvert leur mensonge. Il n'y a même pas 6 mois. Ils sont découverts. C'est des gens là. Ils ne sont pas venus pour organiser des élections. C'est faux. Surtout la maison, ne quittez pas dedans. Il n'y aura pas de justice. Dire qu'on va se remettre à la justice. Quelle justice? Les gens qui sont là-bas, toute leur ambition, tout leur rêve, c'est de vous mettre dehors. Cette justice ne... C'est-à-dire, il n'y aura pas la justice. Si c'est des gens qui étaient venus pour faire la justice, ils auraient commencé sur les massacres du 28 septembre. Ils auraient commencé à arrêter les anciens dignitaires d'Alpha Condé. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. Tu ne peux pas éduquer les enfants des autres pendant que ton enfant chez toi est mal éduqué. Il faut te servir d'exemple. Il faut te servir d'exemple. Montrer l'exemple aux autres. C'est ça la vérité. Il n'y aura pas de justice. Les gens-là ne viennent pas pour faire la justice. Les gens-là viennent pour, c'est-à-dire, massacrer. Massacrer comment? Techniquement, intellectuellement, tranquillement. On a vu les exemples. Comment mettre la famille de Telly dehors? Comment mettre la famille de Conte dehors? Pendant que la famille de Sékou Touré est à l'abri. Pourquoi, mon président? Ne tombez dans aucun piège. Ils veulent vous éliminer. Ils veulent vous éliminer. C'est ce qui est la vérité. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. 1.1000 tirés.
un point multilé. Restez serein, tranquille. Le peuple est derrière vous. Le peuple vous soutient. Le peuple vous soutient. Restez, ne sortez pas. Ne partez nulle part, mon président. Nulle part, s'il vous plaît. Ceci-là, c'est des voyous. Voyous. Dadis est venu ici. Dadis est venu. En 9 mois, il a gouverné, c'est-à-dire en 9 mois, il a goudronné presque tout Conakry. Presque tout Conakry. Il y a des quartiers à Conakry qui n'avaient jamais de goudron. Dadis, en 9 mois, a goudronné tout Conakry. A mis le goudron partout. Dans tout Conakry. Dadis, en 9 mois, on a vu l'exemple. Il prenait les ministres, il disait aux ministres, quand tu ne fais pas tel travail dans tel temps, tu vas être enlevé. Quand tu ne fais pas tel travail dans tel temps, tu vas être enlevé. Ça, c'était quelqu'un qui était venu pour faire avancer son pays. Mais les gamins là sont venus pour voler. Ils nous ont déjà volé des milliards et des milliards de lingots d'or. Ils sont seulement en train de manger. Leur ambition maintenant, ce n'est plus d'organiser les élections. C'est pourquoi nous demandons leur départ. On ne veut plus durer de transition. Nous voulons le départ du CNRD. Nous voulons le départ et le CNRD va partir. On ne veut plus de durée de transition. Parce que durée de transition, les objectifs sont déjà connus, mis au grand jour. Comme un Ouattara, Moussa, Mohamed Doussou Traoré, directeur du patrimoine bâti public, va sortir pour dire, il va lancer des trucs pour déguerpir les anciens dignitaires de l'ancien Conté. C'est quelle justice ça? Vous allez partir à la justice, les gens qui sont là-bas, les juges, les avocats, la partie civile, tout ça là c'est eux. Même si vos avocats ont des arguments, on connaît la Guinée. Tout ça là c'est eux. Ils vont rendre justice. Il n'y a pas de justice. Vous allez partir seulement, ce qui est écrit par celui qui veut que vous quittez, c'est ce que le juge va lire. Le procureur, il ne va rien faire. Il n'y a pas de justice en Guinée. S'il y a justice en Guinée, quand ils sont venus, ils allaient commencer par leurs anciens dignitaires là. Ils allaient commencer à faire la lumière sur le massacre du 28 septembre. Ils allaient commencer à faire la lumière sur le massacre des jeunes de l'Axe tués pendant 11 ans. Mais est-ce qu'ils parlent de ça? Vous entendez ça? Alors que la justice du sang est plus que la justice matérielle. Si les enfants ont perdu la vie, leur vie vaut plus que 100 maisons. Leur vie vaut plus que 1 milliard d'immeubles. Donc les gens là ne sont pas venus pour faire la justice. Ça c'est des bobards. Co-justice, nos boussoles. Mon président, s'il vous plaît, ne partez pas à Espace, ne partez dans aucun média. Les médias guinéens sont tous des vendus et ils ne vous aiment même pas. C'est des gens qui ne vous respectent pas. On voit les journalistes d'Espace, comment ils parlent de vous. C'est des gens qui sont en train de se faire plaire. C'est des quémandeurs. Oui, tous ont reçu des pots de vin à l'époque d'Alpha Condé. Et maintenant, là, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ce n'est pas tous parmi eux. Ceux qui sont honnêtes parmi eux le savent qu'ils sont honnêtes. Mais ceux qui ne sont pas honnêtes parmi eux aussi savent qu'ils ne sont pas honnêtes. Savent qu'ils jouent le double jeu. On sait, on a les dossiers. On a les dossiers en main. Par rapport à ceci, ne partez pas à Espace, s'il vous plaît. Vous avez tout dit. Le peuple a tout entendu. Les gens là ont tout compris. Restez comme, c'est-à-dire, gardez votre position, restez chez vous. Le peuple est derrière vous. On en reste là. Un point multilé. On en reste là. On ne veut pas d'Espace. On ne veut pas de médias. On ne veut rien. Vous êtes un président, un homme très, 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 très influent. Président, ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pour la forme. C'est vous le président. Parce que c'est vous qui méritez cette place-là. Maintenant, c'est vous le président. Alpha Condé n'est jamais allé à Espace. Alpha Condé n'est jamais parti dans les médias. Alpha Condé, parce qu'il sait que tous les médias guinéens sont corrompus. Alpha Condé n'est jamais parti dans les médias. Aujourd'hui, vous êtes à la place d'Alpha Condé, à République de Guinée. Ne partez pas à Espace. Ils sont qui? Pour dire qu'ils vont vous inviter sur les grandes gueules. Ils sont qui? Tout a été clair. Tout a été dit. Donc, mes chers frères,
journaliste d'espace, notre président ne partira pas là-bas. On le demande humblement, voilà, cherchez un autre invité qui va aller animer, qui va aller vous tomber dans votre piège là-bas. Mais notre président, nous, lui, ne partira pas là-bas. Cherchez un autre invité là, que vous allez aller piéger là. Mais nous, notre invité là, il ne va pas aller là-bas. Parce que c'est l'invitation de Moussa Moïse. C'est l'invitation de Doumbouya ça. C'est l'invitation de Moussa Moïse, c'est l'invitation de Doumbouya. 1.1000 tirés. Voilà, on va se dire la vérité telles qu'elles sont. 1.1000 tirés. Dans aucun autre média d'ailleurs, que ce soit Djoma, quoi, les empoisonnements sont en l'air. Le coronavirus, comment les injecter, les trucs, tant. Après, on va dire, compliquer les choses. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. On sait que même il n'y a même pas les machines de réanimation en République de Guinée. Ça ne va pas marcher. À tes marchés là, aura fait, au Birin, aura fait Birin Kolongri. À Birin Kolongri. Oui, des souriki, au Kaberika. À la Nanarabama. Parce que forcer. Le gars, il a renforcé sa garde présidentielle. Il a renforcé sa garde présidentielle. Parmi sa garde présidentielle, il y a même un conducteur d'avion, d'hélico. Il a renforcé. Parce que ce qu'il voulait faire le 5 septembre, si le coup ne marchait pas, de fuir, il prépare ça. Voilà, il veut seulement nous essayer. Alors, faut lui montrer qu'on est tous des enfants de Guinée, qu'on est tous des enfants de Conakry, que personne ne peut effrayer. Qui que ce soit ne peut nous effrayer. Restons crampés sur notre position. À bon entendeur. Il a renforcé sa garde présidentielle. C'est les gardes qui ont dit. Ce n'est pas les gardes qui ont dit. Mais les cinq personnes qui sont parties, on est au courant. Voilà. On est au courant. Donc, il faut mettre en tête que notre objectif, c'est d'élire notre président. C'est de réconcilier les Guinéens. C'est d'unir les Guinéens. Notre objectif, c'est ça. Il faut qu'on reste, c'est-à-dire qu'on reste statué, c'est-à-dire comme un statut, comme statut de la liberté à Washington, là, qu'on reste comme ça, là, qu'on ne bouge pas.